Allez, salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur HomeSea 2. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Villemolle. On va faire la ligne C3, destination de Sixungar. Aujourd'hui, nous sommes avec un A120-51 aux couleurs, aux couleurs de l'ancienne société qui gérait les transports en commun à Liège avant le TEC, à savoir la STIL. Mes publicités 1000K, voilà, tout simplement. Donc pourquoi j'ai pris ce bus là plutôt que la livrée, plutôt cette livrée là plutôt que la livrée d'origine, enfin d'origine, la livrée qu'il faut prendre en temps normal. C'est tout simplement pour dire de diversifier un petit peu, de pas toujours voir la même livrée, les mêmes livrées. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir une petite différence, et puis comme ça, si jamais pour ceux qui sont un peu gourmands, voilà, ça vous donnera un petit peu envie de manger du chocolat durant cette vidéo. Donc nous allons monter à l'intérieur du véhicule et le démarrer. Nous partons dans quelques secondes, hein, il est midi et nous partons dans 3 minutes. Le bus est à pression, c'est nickel. Je vais juste avancer le temps de 2 minutes et on peut y aller. Savoir que la 120-51 est l'un de mes préférés. Vous allez voir que pour un bus qui a quand même, mine de rien, presque 40 ans, il a énormément de punch. Ça, l'avantage aussi de celui-ci. Petit AG280 du musée des transports. D'ailleurs, on utilisera un AG280 pour cette ligne là, mais je ne vous dis pas lequel. Ah bon, en parlant de la 120-51, en voilà en couleur Vinba City. Hop, on va passer en vue F4 pour vous le montrer. Voilà. Oup. Voilà, pour ceux qui veulent voir la livrée Vinba City sur le véhicule. Hop, c'est avancé qu'il fallait faire. Là, voilà. Mais nous, aujourd'hui, nous serons en mauve. Je crois que je vais ouvrir à l'arrière, non?
Ah bah oui, mais il est malin lui avec sa BM, hein. Monsieur Xadacia est gentil de me laisser passer. Bonjour messieurs dames. Peut-être mettre un peu de chauffage. Voilà. Alors l'avantage avec ces débuts de stage là, c'est qu'il n'y a pas d'anzocal à gérer. Ça c'est quand même cool. Je ferai un chouïa trop large quand même. Je suis en retard quand même. C'est dans une petite minute, donc on va un peu accélérer. Même si on aura l'occasion, une fois qu'on sortira du zoning. Bonjour messieurs dames. C'est vraiment une fusée ce bus quand même. Surtout pour son âge. Notre collègue de Carius sur la ligne 10 ou 3. Donc ça m'a l'air d'être la 3. À mon avis, c'est le 10 qu'on a croisé plus tôt. Pour ceux qui ont fait attention. Allô.
Harrison D. Et voilà, à partir d'ici, on va pouvoir bombarder. C'est un coin que j'aime beaucoup en plus sur Wilmon ici. Un petit coin de forêt. Ça me fait penser un petit peu à ce que l'on peut trouver par chez moi du côté de Walcourt. Pour ceux qui connaissent, en Belgique, c'est en dessous de Charleroi globalement, une vingtaine de kilomètres en dessous. Près des lacs de l'Oder, pour ceux qui voient. Oui, il prend quand même 90, hein, le pépère. Il pousse. Il pousse ce bus, en tout cas. Le petit viaduc au-dessus de Vermeton. Il prenne un jour, sinon c'est la cata. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils nous font ici? Je ne sais pas. Déjà le mec avec son taxi, la priorité théoriquement. Donc je vais le laisser passer. Allez-y. Avec du nerf ce serait mieux. On laisse passer, mais c'est pour prendre 50 ans. On va voir qu'on est même rattrapé le retard. Enfin, on pouvait pas le voir. Mais on a une demi-minute d'avance alors qu'on en avait une et demie de retard. Il y a encore quelques minutes. Et c'est parti. Prochain arrêt, Sixengar Terminus. J'ouvre ma porte avant. Et voilà, on est donc arrivé à la fin de cette ligne et donc par extension de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. En tout cas, moi c'est un plaisir de vous la tourner avec ce magnifique bus qui sans doute vous donnera faim. En tout cas, histoire de vous donner faim aussi, moi je vous dis donc à samedi pour la vidéo sur la C4. Et donc allez, bye tout le monde.